Enfin, la réconciliation entre Rihanna et son papa. En 2019, la chanteuse américaine avait reproché à son père, Ronald, d'avoir utilisé son nom de famille, Fenty, comme nom de marque pour créer une société de gestion de talent, la Fenty Entertainment. Problème, Rihanna en avait déjà déposé les droits. Ce qui a conduit à un conflit judiciaire entre les deux parties, débouchant à une plainte de cette dernière. Pour rappel, Rihanna a monté son entreprise de lingerie, Fenty Beauty, en 2017. Mais de l'eau semble avoir coulé sous les ponts entre le père et sa fille. Le média américain Radar Online a révélé que Rihanna avait finalement décidé de retirer sa plainte afin de ne pas poursuivre en justice celui qui lui a donné la vie, il y a 33 ans de cela. Car ce retrait entraîne de fait l'annulation du procès, dont la première audience devait avoir lieu ce mercredi 22 septembre 2021. Rihanna, première musicienne milliardaire en interne, il se dit que la petite amie du rappeur a $Rocky a renoncé afin d'éviter de déballer publiquement sa vie familiale. Il faut dire que Rihanna, récemment devenue milliardaire, est la deuxième femme du showbiz la plus riche au monde, derrière la présentatrice vedette Oprah Winfrey. Sa fortune a été estimée à $1,7 milliard selon le magazine Forbes. Après d'autres histoires avec Ronald, qui s'était notamment associé à un partenaire financier pour prétendre être devenu le représentant de sa fille, Rihanna semble avoir eu une véritable discussion avec son père. Jusqu'à s'être totalement réconciliée, touchée par le Covid et l'année passée, Ronald Fenty avait publiquement reçu le soutien de sa fille, marquant la fin de leurs différents conflits.